L'ananas, c'est un fruit tropical très sucré. Il est originaire en Amérique du Sud, plus précisément dans le pays Brésil et dans le pays Paraguay. Je dis à nous jeunes presque tout côté dans le monde, là, surtout dans toute région tropicale là, qui gagne dans le monde. Il a une couleur jaune, j'en ai regardé là, il est très sucré, j'en dis nous déjà. Il est chargé à un nutriments, tant qu'il gagne une protéine. Lipides, glucides, eau, fibres, vitamine B1, vitamine B6, vitamine C, magnésium, potassium et phosphore. Cependant, en pile moun mange li pou manje, ou bien parce que ouais moun ap manje l, yo manje l. Comme ça tout, gen moun ki mange li pou propriété li ak ka bien fè li sou santé nou. Eh bien, je dis à dans vidéo ça, nous allons énumérer ensemble quelques dans tout bienfait et eh bien que fruits tropicaux ça, fruits très sucrés ça, qui c'est ananas gagné sous santé nous, si toutefois nous t'as consommé lui. J'en t'ai annoncé là, on a regardé ensemble quelques dans tout eh bien bienfait que ananas lui-même les gagné. Si toutefois nous t'a consommé li. Premièrement, l'essai anti-inflammatoire. Donc, pas oublier que l'ananas lui-même, il y a là-dedans une substance qui est le broméline. L'essai anti-inflammatoire, il y a une propriété pour les normalement fondre. Avec toute propriété, ça, il empêche que sang nous lui-même les fait boule et puis il réduit risque maladie cardiaque. AVC qui c'est accident vasculaire cérébral. Donc on nous consommer normalement eh bien ananas parce que l'essai anti-inflammatoire est capable normalement laver sans nous et empêcher que sans nous même les faire boule. Deuxièmement, ananas bon pour digestion. Donc grâce à broméline qui ananas les même les gagne les faciliter digestion protéines yo et puis les jouer un rôle bénéfique sous système circulatoire et cardiovasculaire. Donc en pile problème de digestion que nous gagnons capable soulager si toutefois nous ta consommé ananas parce que pas oublier que ananas même li gagne fibre mais qui capable soutenir mouvement intestin yo donc pour capable et bien lutter contre constipation. Et puis, il y a un enzyme yo, et bien, qui a facilité la digestion qui est adaptée à nutriments. Donc, en nous normalement consommer ananas, et bien, pour nous capables d'arriver à faire une bonne digestion dans la vie. Troisièmement, ananas est capable de renforcer le système immunitaire. Nous. Donc, pas oublier que normalement, ananas les mêmes les gagnent et bien vitamine C avec broméline, genre que nous te disons ça déjà. Vitamine C avec broméline, ça les mêmes les capables renforcer système immunitaire nous et puis améliorer réponse corps nous face à une série de infections et bien qui causées par virus à bactéries. Donc broméline et bien qui vient agir et bien tant qu'il y a un anticoagulant naturel et puis produit une série de changements positifs sur globule blanc sang donc capable normalement stimuler défense immunitaire nous donc en nous consommer en pile ananas pour nous capable renforcer le système immunitaire nous surtout à nous-mêmes qui souvent gain ça les rhumes dans vie nous. Quatrièmement, ananas capable de soulager douleurs règles. Et bien selon un pile étude qui fait, broméline qui dans ananas gagne un effet relaxant sous col utérus là, donc qui prend la capable soulager douleur lorsque ou même ou gagne règles. Parce que pas oublier lorsque règles, il y a pile monde qui connaît gagne de gros douleurs et bien si nous consommer ananas, ça capable et bien soulager douleur ça. Donc là ou gen règle donc c'est pour consommer un bien pile ananas pour capable et bien soulager avec gros douleur ou toujours qu'on gagne
lorsque ou même ou gen règle. Ça, c'est d'après une étude qui fait par rapport à broméline que Anna même li gagne. Cinquièmement, là nous consommer et mi ananas li bon contre cancer. Donc broméline qui dans ananas bien permet nous lutter contre cellules cancer yo tant que cancer dans tête, cancer abdomen. Donc là vous consommez ananas donc grâce à broméline qu'il gagne donc il est capable bloquer et bien cellules cancer yo. Donc en nous normalement toujours et bien consommer ananas parce qu'il n'y a pas vraiment bon pour nous. Sixièmement, eh bien, là nous consommer ananas, il est très très efficace contre brûlure et plaie. Donc quelques enzymes ananas gain yo très efficace eh bien pour moun qui gain plaie et brûlure sous corps yo. Donc ananas vient jouer un rôle cicatrisant naturel pendant la favoriser bien guérison brûlure et plaie que ou même normalement ou gagne. Donc en nous normalement consommer eh bien ça ou les ananas si toutefois nous ta gagne plaie si toutefois nous ta gagne brûlure parce que il y a pas vraiment favoriser en guérison la caillou. Septièmement, li bon pour capable réduire et bien hypertension. L'hypertension normalement c'est un problème cardiovasculaire et bien normalement qui touche en pile monde. Donc normalement l'on fait hypertension, donc on t'a supposé mais consommer un paquet de bagaille qui gagne potassium. Et pas oublier que ananas même li gagne potassium. Donc gaz à potassium manqué ananas gagne. Donc il est bon pour capable normalement consommer parce que là vraiment réduit et bien risque d'hypertension. Donc pas oublier que dit nous hypertension est même sur un problème cardiovasculaire donc qui touche un pile monde qui pas même connaît ça même. Donc en nous consommer ananas parce que là dedans il y a quantité potassium n'a besoin pour capable et bien lutter contre hypertension. Rapide vite mais quelqu'un a bien fait qui gagne ananas si toutefois ou t'a consommé li l'essayant anti-inflammatoire donc il gagne propriété pour le capable fondre il capable normalement laver sang ou deuxièmement il est bon pour faire digestion donc grâce à broméline qu'il gagne et bien il gagne propriété pour le capable normalement faciliter digestion protéine yo. Troisièmement li bon et bien pour système immunitaire li capable normalement renforcer système immunitaire parce que li gagne la dedans vitamine C ak broméline. Quatrièmement alors tout monde et bien qui connaît gagne gros douleur lorsque même gagne règle et bien d'après étude qui fait et bien le consommer ananas ça capable soulager douleur règle ou habitué gagne. Cinquièmement, les bons contre cancer. Donc, broméline qui la donne permet normalement de lutter contre cellules cancer. Sixièmement, les très efficace contre brûlure et plaie. Si toutefois vous avez brûlure ou bien plaie, donc vous capable bien consommer et bien ananas avec ça ou abjoindre normalement guérison. L'ail c'est une plante qui a une hauteur entre 50 à 70 cm j'en ai regardé là donc c'est même famille avec oignon avec échalote et avec poireau qui côté là il sorti en Asie il était qu'on cultivé li en Égypte mais il pas de prendre le temps pour être capable éparpiller li dans tout continent yo pour bien faire li gain yo il était toujours qu'on utiliser li dans pile maladie. D'ailleurs, il y a pile médicament mais qui fait à base de l'ail. Ça veut dire monde là utiliser l'ail mais en pile fois nous utiliser li dans manger par exemple sans même nous pas connaître mais qui raison que fait nous et bien utiliser.
Il y a des gens qui disent que l'on met l'ail dans manger, il fait manger à goût. Ça veut dire seulement qu'ils ont utilisé l'ail pour utiliser. Je dis, eh bien, nous venons avec une vidéo ça, côté que nous parlons pas de l'ail. Nous parlons la capable partager avec vous, eh bien, quelqu'un a bien fait l'ail. Comment, eh bien, nous pouvons utiliser l'ail. Pour qui ça nous utiliser l'ail? Et qui genre de monde qui a consommé l'ail? Parce que c'est pas tout le monde qui est capable de consommer l'ail. On a regardé ensemble tout bienfait que l'ail est même les gains de nous consommer. Eh bien, j'en ai regardé là, ça c'est une tête l'ail, j'en ai connu là. Donc, il y a plusieurs gousses. Donc, nous souvent content de mounio lorsque vous l'achetez, vous m'avez acheté en tête l'ail. Donc, c'est le même ça, décomposé de plusieurs gousses. J'aimerais te annoncer là. Donc, nous pourrons le partager avec vous. Et bien, quelques bienfaits qui les mêmes liés. Et bien, là, nous consommons l'ail, ça aide à faire la digestion plus bien. Nous souvent appelons parce que nous pas digérer bien. Là, nous finissons manger ou manger, donc normalement nous pas de temps et bien pour nous faire digestion parce que nous sortons du travail très tard et nous rentrons très tard. Donc là, nous rentrons, nous seulement rentrons nous manger et puis nous coucher rapide. Donc nous pas même de temps à faire un petit promenade pour manger même les capables de digérer dans le ventre. Nous. En pile fois tout, nous avons un ventre ballonné. Donc nous sentons nous à bout avec nous. Nous n'avons pas de côté pour nous capable bien mettre nous après nous finir manger. Nous capable consommer l'ail parce que l'ail les mêmes les antiseptiques et puis les gain vitamine B1 qui capable normalement stimuler production bilio et puis améliorer digestion. Là la même les gain chlore capable bien renforcer activité estomac là. Il est capable de participer à la destruction chimique aliment. Pour ça, nous sommes capables normalement de manger un gousse l'ail et bien, bien manger, craser en bas de nous. Et après ça, nous sommes capables de faire de l'eau. Si nous voulons tout, nous sommes capables normalement faire thé avec lui. 3 ou bien 4 gousses l'ail, nous sommes capables de faire thé. Et ça aide nous normalement à faire digestion. Donc en pile monde j'aime dire par contre gain temps normalement pour finir manger puis capable faire digestion ou ta supposé al font promener pour manger capable digérer dans vendre donc yo pas gain temps parce que son travail temps donc leur finir manger donc ventre temps vienne ballonné yo a bout avec quoi yo donc si vous gain l'ail la kao ou capable manger l'ail comme ça tout capable faire thé ou capable boire laisser ça aider ou faire une bonne digestion. Donc l'ail là lui-même il est capable de baisser la tension artérielle. Donc si vous avez besoin de baisser la tension artérielle, donc vous êtes capable de consommer l'ail régulièrement. Vous êtes capable de consommer le cri, comme ça tout, vous êtes capable de consommer le cuit. Donc il y a un peu d'études qui montrent que si vous avez l'habitude de consommer l'ail, donc ça a déjà atteint l'hypertension. Il est capable de baisser la tension artérielle parce que l'ail là lui-même. Les gains ont série de composants qui ont action directe et bien sur fluidité sang, élimination de l'eau et dilatation artérielle. Donc on capable craser et bien l'ail là en bas dedans. Après ça on capable boire un verre de l'eau comme ça tout, on capable et bien prendre l'ail là nan manger. Donc on capable mettre l'ail régulièrement dans manger ou manger. Donc ça capable aider au normalement à baisser tension artérielle. Donc li bon pour moun ki gen rhume. Donc normalement eh bien si ou gen rhume ou capable eh bien consommer l'ail. Pas oublier que l'ail la li même li gen allicine qui permet ou combattre eh bien contre virus ak bactéries. Donc le ou gen rhume li aide ou parce que le ou consommer l'ail allicine li gen hein? Donc li passe dans sang ou et puis détruit virus ak bactéries. Donc il y a une partie dans allicine et bien qui jeté par respiration et puis tiré virus ak bactéries qui présent et bien dans abri respiratoire. Donc ça pas veut dire lorsque vous gagne rhume ou consommer l'ail ou pral guérir un seul et bien jour
Men li ap ede ou par rapport a un moun eh bien, ki genyen, eh bien, ki pa pran piyes medikaman. Sa vreman ede ou. Donc, ou suppose, eh bien, normalement, konsome, eh bien, l'ay regulyèman, eh bien, jusqu'à ce que, normalement, ou jwenn yon solusyon a kesyon rume ki ou menm ou genyen. L'ail capable normalement protéger ou contre quelques cancers. Donc, il y a un pile d'études qui montrent que lorsque on normalement consomme l'ail régulièrement, ça capable diminuer le risque pour développer cancer estomac. Donc, lorsque vous consommez l'ail, allez s'en protéger organes sous et puis empêcher cellules cancer et bien normalement développer. Donc, pas oublier, ne pas dire que eh bien, si vous consommez l'ail, eh bien, vous n'avez pas bien cancer estomac. Mais nous tout simplement dire, donc si vous consommez l'ail, eh bien, si vous consommez régulièrement, allez s'il y a là-dedans à protéger l'organisme et puis diminuer le risque pour avoir un cancer. L'ail, c'est un antibiotique naturel. Pas oublier que l'ail lui-même est très nutritif. Il y a un pile de vitamines qui est bon pour santé nous. Donc Louis Pasteur, c'était le premier monde qui était reconnaître propriété anti-infectieuse de l'ail. Donc littérature montrait que composant l'ail, il capable tuer plus que 60 champignons avec plus que 20 types de bactéries qui composant l'ail. Donc il y a une vitamine B1, il y a une vitamine B6, les gains vitamine BC, les gains manganèse, les gains calcium, les gains phosphore, les gains potassium, les gains fer, les gains fibres. Donc, on nous continue et bien normalement consommer l'ail régulièrement pour être capable profiter de tout bienfait lié parce que normalement nous réalisons un antibiotique tout à fait naturel. L'ail est capable eh bien aider ou contre problème peau que même ou peut-être gagner. Donc grâce à propriété antibactérienne et antifongique, eh bien l'ail lui-même est très efficace eh bien si toutefois eh bien ou t'as un problème dans peau avec quelques infections cutanées tant qu'on mycose. Donc là où consommer l'ail régulièrement, ça permet tout que peau lui-même il était bien belle parce que l'ail lui-même les riches avec antioxydants. Donc, ou seulement besoin eh bien consommer eh bien yon gousse l'ail chaque matin avec yon verre de l'eau. Donc, ça c'est quelques bienfaits qui gagnent dans l'ail. Nous habitués ouais, moun yo utiliser dans manger. Il y a un pile d'autres bienfaits encore. Donc, nous seulement énumérer eh bien quelques n'a bienfaits ça yo pour nous capable normalement partager avec vous. Mais normalement, il y a quelques comptes et indications. Donc, nous connaissons normalement, quel que soit le médicament ou la boisson, et bien, il y a une catégorie de monde et bien, qui n'a pas normalement et bien, le médicament. Donc, c'est même gens tout. Et bien, là, même, c'est vrai qu'il y a un pile bien fait. C'est vrai qu'il y a un pile de monde capable de consommer. Mais comme ça, tout, il y a une catégorie de monde tout, et bien, qui n'est pas capable normalement et bien, consommer là et là. Et mais qui genre de mounioué donc n'a pas par exemple pas monde qui gagne tension et bien artérielle qui bat donc pas oublier que et bien nous te dire que et bien là elle a les mêmes li aider ou baisser tension artérielle donc si normalement ou déjà gagne une tension artérielle qui bat et bien ou elle consomme l'ail donc ou ça ka passer donc ça veut dire tension au lieu que les vins normal les vins augmenter et bien tension les mêmes les vins plus bas que j'en ai donc monde qui gagne tension artérielle là qui très bas normalement pas capable et bien consommer l'ail. Gen moun ki gen estomac yo ki vraiment fragile. Ça veut dire moun nan toujours ap souffri avec question estomac fait mal. Ça veut dire moun nan les mêmes son moun ki gen yon estomac ki fragile. Donc type de moun sa yo, même j'ai avec moun ki gen tension artérielle bas,
Mais type de monde ça yo même man, yo pas capable normalement consommer un bien là. Si c'est un monde qui apprend médicaments anticoagulants tout donc pas capable et bien normalement consommer là parce que lorsqu'on médicament anticoagulant ça veut dire que et bien ou empêcher que sang ou les mêmes les fait boule donc si c'est empêcher sang les mêmes les fait boule donc on prend médicament anticoagulant pas oublier que et bien là les mêmes les gain capacité ça d'essayer anticoagulant donc ou pas capable mettre et bien des anticoagulants ensemble ou déjà prend médicament anticoagulant ou elle prend là encore qui c'est un anticoagulant donc il est pas bon pour donc c'est ou bien on prend médicament ou bien on prend là. Donc en résumé nous avec que bien là les mêmes les gains en pile bienfait donc il est capable aider ou faire une plus bonne digestion. Il est capable normalement aider à baisser tension et bien artérielle. Donc si vous avez un rhume, il est capable aider avec question rhume que vous avez. Donc il est capable aider et protéger contre quelques cancers estomac. Donc c'est un antibiotique tout à fait naturel. Il est capable normalement aider avec problème peau que vous même ou êtes capable normalement gagner. Donc nous capables de consommer eh bien là et là ou bien cuit ou bien cuit. Donc nous capables de consommer le manger. Comme ça tout nous capables de prendre un gousse là, nous craser en bas dans nous manger. Après ça nous prenons un verre de l'eau. C'est vrai que il prend la paraît eh bien vraiment dur pour nous capables eh bien manger un gousse là, mais soit habitué ou après ça pas rien pour capable normalement eh bien consommer un gousse là chaque matin et après ça vous capable boire un verre de l'eau. Donc ça capable paraît difficile normalement pour craser là en bas dedans. Donc ça va faire ou capable eh bien fondre là en deux et puis mettre le dans un verre d'eau. Et bien quitter le de l'eau pendant 10 minutes après ça au brûlé. Ça va vraiment aider ou pour santé ou capable faire ça chaque matin. Papaye c'est un fruit très délicieux qui aujourd'hui a devenu célèbre pour tout bienfait li pour la santé nous. Le qui est originaire d'Amérique centrale. Donc c'est un fruit tropical qui nous joint dans presque toute région tropicale qui gagne dans le monde là. Il y a à la fois légumes et fruits puisque les livettes nous fait légumes avec lui pour nous consommer et les limures nous manger les comme ça et puis nous fait jus avec lui pour nous capable normalement toujours être en bonne santé. Papaye fait là les mêmes les gain ça ou les papayes nadan qui ont utilisé en pile dans brasserie et dans pharmacie. Nous joignent en pile bienfait que ce soit dans feuilles, dans graines et dans papaye la même. Jodia et bien en pile monde utilisé lui pour tout bienfait et propriété liyo. En pile monde utilise li pour utiliser mais en constat tout gen pile monde qui utilise li parce que yo connaît et bien tout bienfait que li gagne. Papaye la les mêmes li gagne et bien tant que protéines, li gagne de l'eau, li gagne lipides, glucides, sucre, fibres, provitamine A, bêta carotène, vitamine B1, vitamine B2, vitamine B3, vitamine B5, vitamine B6, vitamine B9, vitamine C, calcium, cuivre, fer, iode, magnésium, manganèse, phosphore, potassium, zinc et sodium. Et bien je dis à partir de toute vitamine ça yo, nous allons énumérer ensemble quelques dans tout bienfait que nous capables joindre dans la papaye si toutefois nous ta consommé li. Là on consomme papaye ça capable soulager ou ak douleur règle. Donc ou même qui habitué gagner de gros douleurs dans moment ou gagne règle ou et ou konn gagne le tout avant même que ou gagne règle, donc ou capable consommer en pile papaye parce que ça capable stimuler circulation sang lorsque normalement on gagne règle et puis il capable soulager ou avec douleur règle et bien ou gagne.
Donc, li ap kalme doule ya, se grasa a nutriman sa yo ki genye tankou li genye fer, li genye karoten, li genye kalsyum, li genye vitamine A ak vitamine C. Donc, li important pou kapap konsume papay avan ou gen reg e pandan menman ke normalman ou gen reg. Donc, parce que ça vraiment et bien soulager ou avec douleur règle qui ou même ou gagne. Donc, si douleur elle-même li raide en pile ensemble avec ou. Donc, ou ka fait ça ou les infusions avec feuilles papaye là. Donc, comment on peut le faire? Ou capable mettre yon de l'eau normalement bouillie à 100%. L'elfine bouillie ou retirer sous du feu. Hein? Donc, ou mettez mes feuilles papaye là là-dedans, et bien, ou couvrir. C'est ça que les infusions. Après l'elfine frette, ou capable normalement brayer un petit de l'eau. Donc, le ça, et bien, ou capable de joindre un soulagement avec un gros douleur que normalement ou gagnez, et bien, pendant, et bien, règle. Le consommer papaye, eh bien, ça aide au lutter contre le cancer. Donc, papaye, là, lui-même, il est capable de diminuer le risque pour capable souffrir à cancer grâce à l'lycopène qu'il gagne, qui est capable normalement d'aider l'organisme nous débarrasser d'une série de radicaux libres qui normalement capable mener ça au cancer. Là, nous voulons parler ou, surtout de feuilles papaye, là. Selon une étude qui fait, eh bien, enzyme qui n'a fait pas là, eh bien, il est capable de combattre cancer foie, pancréas, cancer dans tété. Donc, on est capable de craser, mais normalement, fait pas là, et puis on fait une purée. Donc, on fait une craser, bien craser, eh bien, on retire un petit jus là-dedans, un petit jus qui a bien normalement couleur verte, parce que fait pas là, lui-même, il est tout vert. On va retirer un petit jus, hein. Et l'offre de petit juin, on est capable normalement mettre un petit sirop miel là-dedans et puis on est capable boire deux ou trois cuillères. Donc ça a vraiment aidé ou et bien pour capable lutter et bien contre risque pour capable gagner un cancer. Là nous consommer papaye, ça capable renforcer système immunitaire. Donc, nous connaissons que papa lui-même li gen vitamine C et vitamine A. Et tout ça yo qui gen vitamine C, et bien, normalement, yo bon pour l'organisme. Donc, là ou même ou consommer papaye en quantité, donc ça protège corps nous contre virus et bactéries. Et puis, il y a aidé nous et bien, pour ne pas attraper grippe avec et bien, rhume souvent. Donc, nous capables de manger cher papaye là, comme ça tout. Nous sommes capables normalement consommer feuilles là parce que feuilles là les mêmes les gagnent papaye la donne les gagnent phytonutriments donc qui est capable normalement protéger nous de maladies cardiovasculaires tant qu'on est capable protéger nous contre cancer infection stomacale donc pour ça nous sommes capables normalement faire thé avec feuilles papaye là nous sommes capables consommer les donc qui gens normalement sont capables de faire ça. Donc, ou capable et bien faire ça ou yon infusion avec feuille papaye là j'aime te dire dans début hein? Donc ou capable prendre de l'eau ou mettez la bouillie à 100% donc l'elle fin bouillie ou après tirer tout du feu hein? Après ça ou mettez bien feuille papaye là-dedans c'est ça qui est l'infusion hein? Mettez feuille papaye là-dedans et puis couvrez-les donc après 10 minutes ou capable normalement brer 2 à 3 cuillères par jour donc en nous continuer consommer normalement et bien papaye parce que ça vraiment renforcer le système immunitaire nous ça vraiment protéger contre ça les rhumes ça vraiment protéger contre ça les grippes parce que depuis normalement au consommer yo donc on a besoin de vitamine C on a besoin de vitamine A or vitamine C normalement j'aime dire il est bon pour organisme. Là, nous consommons papaye, lié de nous faire une bonne digestion. Donc, papaye, c'est un fruit très riche en fibres. Les gains papaïnes, eh bien, qui sont enzymes capables normalement de décomposer protéines qui n'a mangé chaque jour. Donc, ça qui pourrait permettre normalement de nous faire une bonne digestion.
En pile fois, nous mangeons des bagailles eh bien, qui rendent le système digestif non pas équilibré. Donc, il vient cause, normalement, nous gagnons un ventre ballonné, nous venons gagner douleur abdominale. Donc, avec la consommation de papaye régulier, donc ça capable normalement améliorer la qualité de vie nous pendant la fait une plus bonne digestion. Donc, pas oublier tout, que les graines papaye lui-même les jouent un rôle important, un rôle capital pour une bonne et bien normalement digestion, si toutefois nous t'as consommé les. Parce que les graines papaye lui-même les gains propriétés anti-inflammatoires et antibactériennes. Ça qui pourrait là normalement aider nous traiter ulcères et puis lutter et bien contre la salmonelle et bien normalement nous souvent quand on a parlé de lui. Là nous consommons papaye les protéger yeux nous. Donc papaye là les mêmes les protéger yeux nous contre ça les cataractes et l'autre pathologie yeux. Donc, papaye a lui-même les gains caroténoïdes des lutéines qui sont capables d'empêcher les rayons solaires lui-même les endommager les rétines. Donc, les protéines tout, donc zéaxanthine qui c'est une substance qui protège les graisses des dangers, donc qui est capable normalement affecter par radical libre. Donc, en nous consommer papaye parce que ça a vraiment un bien protégé chez nous. Qui a permettre nous toujours normalement rester en bonne santé. Rapide vite, mais quelqu'un a tout bien fait, nous capable jouer nana papaye si toutefois un bien nous t'a consommé les. Les soulager douleurs règles nous. Les aider nous lutter contre cancer. Les capable renforcer système immunitaire nous. Li aide nous faire une plus bonne digestion et puis les protéger chez nous. Donc, en nous consommer papaye, en nous profiter de tout bienfait lié et puis pas oublier nous joindre un bien bienfait que ce soit dans feuilles, que ce soit dans graines et que ce soit dans papaye la même. Donc, pas négliger consommer papaye. Parce que ça a vraiment fait nous du bien, ça a vraiment permis à nous être en bonne santé. Donc, on nous profiter de toutes les bien propriétés que papa a lui-même les gagné. Oublier, ce n'est pas seulement bien fait ça yo que papa a lui-même les gagné. Les gagné un pilote bien fait encore. Donc nous-mêmes, nous seulement énumérer quelques dans tout bienfait ça yo que papa les mêmes liés. Donc on continue à consommer mes papayes pour être capable normalement et bien profiter de toute ta propriété liée pour être capable profiter de tout bienfait que les mêmes liés. Zon, c'est une plante potagère cultivée par l'homme depuis des millénaires. D'abord en Chaldée, puis en Égypte, depuis les premières dynasties en Mésopotamie. Jodia nous considérons comme un aromate universel qui consomme dans toute région monde là pour propriété bénéfique liée à santé nous. Il y a plusieurs variétés d'oignons, côté que en pile nan yo riche en antioxydants, tant que zon blanc, zon jaune, zon rouge. Zon jaune dans les mêmes, c'est les mêmes nous plus utilisés dans la cuisine parce qu'il y a une odeur qui fort. Puis zon rouge dans les mêmes nous plus utilisés pour salade parce que les mêmes n'ont pas un goût avec une odeur qui trop fort. Nous capables de manger les cris. Donc, il y a plusieurs autres variétés et bien zon, j'en que moins dis nous. Donc, zon les mêmes, il y a de l'eau, il y a des protéines, lipides. Glucides, sucre, fibres, vitamine B1, vitamine B2, vitamine B3, vitamine B5, vitamine B6, vitamine 9, vitamine C, vitamine E, calcium, cuivre, fer, iode, magnésium, manganèse, phosphore, potassium,
sodium ak zinc. Jodi a gen apil moun nan ki konsome zon pou konsome, men ki pa jam pren an ti tan pou kapab enimere bien fè li genyen sou sante nou. Ebyen nan video jodi a, nou pral enimere ansam kek nan tout bien fè ke zon li menm li genyen. Rapid vite, mais quelques nan tout bien fait, zon li menman li gen, si toutefois nous ta consommé li, eh bien li aide ti moun grandi bien. Donc zon yon participe nan développement fœtus la nan premier semaine grossesse la, et puis nan croissance ti moun nan grâce à acide folique li gen, li participe nan développement zo ak dan ti bébé ya. Donc nous supposé normalement eh bien, consommer zoyon lorsque nous-mêmes nous enceintes, parce que normalement, les participer dans le développement fœtus là dans la première semaine de grossesse. Deuxièmement, les réduit hypertension artérielle. Pablé que zoyon lui-même, les sont source de quercétine, ils ont composé chimique qui gagne propriété antioxydant. D'après une étude qui est publiée en 2007, il a montré que quercétine lui-même est capable de réduire eh bien hypertension artérielle. Donc en nous consommer normalement zoyon si toutefois nous sommes monde normalement qui souffre ça l'hypertension artérielle. Zoyon capable d'utiliser contre cancer. Donc d'après une étude qui était faite dans le pays la Chine, il a révélé que moun nan ki mange zoyon ak lay en pile, eh ben gagne moins risque pour capable gagner ça le cancer grâce à flavonoïdes que joine eh ben nan zoyon wan, qui c'est un antioxydant eh bien qui très puissant. Zoyon capable empêcher ou anémie. Pablie que zon li même li gen fer ak vitamine E, li gen phosphore, et bien grâce à tout élément sa yo, et bien le consommer normalement zon yon, ça aide nous et bien régénérer globule rouge nous, et puis ça reconstitue et bien perte de sang. Donc en nous normalement consommer zon yon pour capable empêcher ça les anémie. Là, nous consommons les oignons, les bons pour mon normalement qui gagne rhume à grippe. Donc, pas oublier que les oignons, les mêmes, les riches en sel minéraux, les gagnent vitamine A, les gagnent vitamine C, qui capable normalement et stimuler défense immunitaire nous, pour capable faire face à bactéries, à virus, tant qu'on les nous attrape et grippe. Là où gagne rhume, y en a bagay ou capable faire, ou capable couper plusieurs tranches, mettez dans l'assiette. Et puis mettez les bons côtés normalement ou abdominaux. Donc ça a vraiment aidé ou avec rhume ou gain. Ou bien si vous voulez, vous capable faire un sirop avec zoyon qui ou normalement pour capable boire 3 à 4 cuillères et bien par jour. L'autre bagaille, si vous même ou capable bien manger zoyon à cri, donc vous capable laver li et puis couper li en petits morceaux et puis vous capable manger parce que ça a vraiment aidé ou avec normalement rhume ou gain. Zoyon c'est un antiseptique. Donc en tant que antiseptique naturel, les nous manger zoyon, il est capable réduire et bien normalement inflammation rénale. Donc en nous normalement consommer et bien zoyon parce que c'est vraiment un antiseptique. Zoyon capable normalement empêcher maladie système nerveux. Donc grâce à vitamine B et potassium qu'ils ont lui-même li gagné, ils ont série de éléments qui nécessaires pour transmission et régénération de l'influx nerveux. Donc quand ils ont lui-même tout li gagné magnésium qui est capable améliorer fonctionnement système nerveux et musculaire. Donc en nous normalement et bien consommer zoyon pour capable et bien empêcher maladie système nerveux. Donc là nous consommons zoyon, ça empêche sans nous faire boule.
Pabli ke zon yon an, jamre te di nou li gen yon bay ki li kersetin, ki se yon ekselan koagulan. Donk kersetin nan li menman li kapab renforse ke nou, ede nou lute kont aleji, ekilibye kolesterol nou. Li se yon anti-inflamatoire, antioksidan, li kapab kontribuye a proteksyon sistem digestif nou, li kapab enbyen evite ke san li menman li fe boule. Donk an nou konsome zon yon, pou kapab en bien profite de tout bienfait sa yo. La nou konsome en bien zonyon, sa amelyore soumey nou. Donk asid folik ka zonyon li menman li genyen, li ede servo a resevoa plus san, plus oksijen ak nitriman. Donk li ede nou produi en bien serotonin, kap normalman kontribye a amelye moral nou epi optimize kalite somey nou. Donk an nou konsome ebyen normalman zonyon pou kapab amelyore somey nou. Le nou konsome zonyon sa ede nou redwi to suk normalman ki gen nan san nou. Donk pou moun nan ki soufri diabet, li bon pou nou kapab konsome zonyon parce ke li gen krom ke nou jwen la dan la ki kapab ede kor nou regule suk ou bien glukoz nan san nou. Donk an rezume nou e zonyon li menm li pemet si moun grandi bien, li redwi hipertansyon ateriel, li bon kont kanser, li empêche nou anemi, li bon pou moun nan ki gen rim, li se yon antiseptik, li empêche maladi sistem nerveux, li empêche san nou fè boul, li amelyore sommeil nou, li redwi to suk nan san nou. Donk zon li menman li gen pil lot bienfè, nou menman nou selman enumere 10 nan tout bienfè li gen yo. Donk an nou konsome zon yon pou nou kapab profite de tout bienfè li yo, parce que ça a vraiment bon pour santé. Banane sorti dans un dérivé portugais, figuera banana, qui signifie figue banane. C'est un des premiers fruits cultivés par les hommes. Les gens originés en Asie. Donc, je dis un pile monde utilise li parce que les chargé avec un pile bienfait qui est normalement bon pour santé. Non, surtout avec ka et bien différents composants li yo tanko li gen de l'eau, protéines, glucides, sucre, lipides, acide organique, figue. Donc ça veut dire li tout simplement c'est un fruit énergétique. Yon banane chargé ak vitamine tanko vitamine B1, vitamine B2, vitamine B3, vitamine B5, vitamine B6, vitamine B9, vitamine C, vitamine E. Li gen calcium, cuivre, magnésium, sodium, fer, zinc, potassium, iode, manganèse, phosphore, acide phénolique ak flavonoïde. Donc banane c'est un fruit qui bon pile pour santé nous, li très nutritif. An pil moun nan konsome li a travè le monde pou itilize, men yo pa jam konnen ki kalite bien fè ki fwi sa li menm li genye. E bien jodi a, nou pral enumere avèk ou kek nan tout bien fè ki le moun nan normalman konsome banan jwen. Rapid vit, nou pral la pataje avèk ou kek nan tout bienfè ke banan li menm li genyen. Bienfè sa yo, bien chita sutou sou diferant vitamine nou jwen la dan ak kompozan li yo. Premye, ebyen bienfè, donk se ke li kapab redwi presyon ateriel ak risk maladi kadyak. Donk gras a potasyum ke banan li menm li genyen, li ede nou redwi presyon ateriel nou. Et puis li aide nous réduit à 40% risque de crise cardiaque. De
Deuxièmement, li bon pou moun ki stresse. Nou pa bliye ke banan li menm li gen potasyum. E potasyum sa ki nan banan nan, li pemet li voye oksijen nan nan servo a epi gade yon poul normal. Donk loske ou menm ou stresse an pil, potasyum ou vin diminue. Donk ou suppose manje banan pou kapap normalman mete tout bagay ok. Troisièmement, li bon contre anémie. Donc grâce à fer que banane elle-même li gagne. Donc là ou manger li et bien production hémoglobine li même et bien li pral augmenter. Donc banane toujours recommandé pour capable consommer pour capable prévenir anémie. Quatrièmement, banane bon contre dépression. Pas oublier que banane même li gagne tryptophan. Qui c'est une protéine que quoi les mêmes les convertit en sérotonine qui c'est un relaxant naturel. Donc les nous consommer banane ça aide nous diminuer dépression parce que les nous consommer nous venons sentir normalement nous heureux. Donc les recommander pour nous capable normalement consommer banane parce que normalement les bon contre dépression. Cinquièmement, banane c'est un anti-cancer. Donc d'après un pile étude qui fait, les gens ne même les consommer banane en pile, donc ça capable baisser risque cancer du rein. Donc ça pas veut dire que mon ne même les pas bien cancer, mais le consommer là les différents par rapport au monde qui pas consommer. Donc même qui consommer là, eh bien on gagne moins risque pour capable gagner ça le cancer du rein. Sixièmement, banane bon pour moun qui a fait sport. Donc en pile moun qui pratique sport utilise banane en pile. Raison c'est que banane li très riche en glucides et en minéraux. Donc lié des sportifs là digérer plus facile. Donc chaque fois qu'un sportif peut même pral faire sport, li gen obligation pour capable manger des bananes. Yon banane qui bien mûre avant même li commencer faire exercice et yon l'autre qui pas bien mûr après que le fin fait exercice. Donc là nous disons que sportif là lui-même lui supposé manger deux bananes et bien là il a fait entraînement. Donc il y en qui bien mieux avant même que il commence exercice physique yo et on qui pas bien mieux après que le fin fait exercice physique yo. Donc bien mieux c'est que et bien tout autant que banane lui-même lui mieux en pile. Donc les gain plus glucides. Donc l'effet que li facile tout pour mon ali même li digérer. Donc ça fournit à l'organisme un apport en calories et en nutriments efficace. Donc en plus de tout bagay ça yo, donc li limite risque pour mon ali même li capable normalement gain crampe. C'est ça que fait nous gain pile sportif qui normalement utilisé et bien banane mûre. Parce que yo konnen ki important sans sa gagne pour yo même qui a fait sport. Donc quel que soit sport que moun nan li même li pratique, donc gen moun ki pense que sport li même c'est football, non, c'est pas football seulement. Quel que soit sport que moun nan li même li pratique, li ta supposé consommer et bien banane avant et après exercice physique yo. Et pas oublier que les préférables, j'aime dire que nous consommer banane qui mûre avant exercice physique, parce que me dire lorsque banane la même li bien mûre, donc li vin gagne plus glucides. Donc pas oublier tout que banane même li gagne sucre et sucre nous capable joindre trois types de sucre, li gagne sucrose, li gagne fructose et glucose. Donc sportif la même li gagne intérêt pour capable normalement consommer et bien banane chaque jour dans ville. Là nous consommer banane li aider nous prévenir ulcère. Donc pas oublier que banane li même li capable réduire irritation et puis stopper hyperacidité. Donc si toutefois normalement ou ta gen problème intestinal, donc pas oublier que il c'est lui-même c'est une liaison qui situe li dans partie supérieure tube digestif là. Donc nous supposer consommer normalement et bien en pile banane
ça capable réduire irritation. Donc là nous manger là j'aime dire il réduit irritation parce que normalement les mon dans même il fait ulcère donc pas rien et bien pour le manger pour le capable augmenter donc tout ça les de manger c'est bagaille qui capable normalement réduit irritation donc le manger banane c'est réduit il réduit irritation. Donc banane les mêmes mali aider nous pas fumer. Donc si toutefois ou même ou c'est un monde qui fumait et puis ou t'as aimé bien quitter et bien fumer. Donc ou supposez et bien consommer banane en pile parce que pas oublier que banane les mêmes mali riche en vitamine B6 qui combiné avec potassium, il a aidé quoi et bien vinn gen moins sensation de manque de nicotine qui c'est une drogue. Là où consommer banane li aide ou concentrer au plus. Donc pas oublier me dit nous que banane li même li riche en potassium. Donc yon moun ki consomme banane en pile, ça aide moun nan li même li concentrer plus les lak fè yon bagay et ça bay moun nan yon mémoire qui vraiment fidèle. Donc continuer manger banane pour nous capable concentrer nous plus les nak fè yon bagay et pour nous capable normalement gagner ça ole yon bonne mémoire. Banane aide nous lutter contre diabète type 2. Donc banane c'est un bon aliment pour moun qui fait diabète type 2. Il gagne normalement plusieurs avantages. Pas oublier que banane lui-même li riche en amidon et selon yon étude qui fait yon moun qui fait diabète type 2 ta dwe consommer banane qui pas trop mûre parce que li a contribué à la perte de poids de moun sa et puis améliorer sensibilité des cellules à l'insuline. Donc le consommer banane ça diminuer taux sucre que normalement ou gagne dans sang. En résumé, nous est que banane li même li capable aider nous réduire pression artérielle nous à crise maladie cardiaque. Il est capable aider nous contre stress, il est capable aider nous contre anémie, il est capable aider nous contre dépression, il est un anti-cancer du rein, il est bon pour sportif, il aide nous prévenir ulcère, il aide nous pas fumer, il aide nous concentrer nous plus et il ban nous plus mémoire, il aide nous lutter contre diabète type 2. Donc ça aussi quelque dans tout bienfait que banane lui-même li gagne, pas oublier que banane lui-même li gagne en pile l'autre bienfait. Nous seulement énumérer quelques nan bienfait que banane normalement li gagne. Donc à partir de tout bienfait ça yo, nous li important normalement pour yon moun nan ta consommer pour pipiti 2 bananes par jour. Là, on parle de bananes, pas de parler de bananes qui mûrent. Nous t'as supposé consommer 2 bananes par jour et il y a pile monde dans menu qui toujours mettait banane. Ça veut dire chaque jour monde toujours et bien manger et bien 2 graines bananes parce que l'elle manger là, li connaît et bien pour que ça le manger là, li connaît et bien tout bien fait que banane dans lui-même li gagne lorsque normalement li manger. Il y a des gens qui mangent des bananes comme ça tout. Il y a des gens qui choisissent de faire un bien jus et bien avec banane. Donc quel que soit un bien gens que normalement ou mangent banane, il y a bon pour santé. L'important c'est que ou consommer banane normalement chaque jour dans vie. Donc pas oublier à part de tout bienfait ça yo que banane ni même li gagne, pas oublier gen moun ki pa jam jete pou banane parce que pou banane li même tout li gagne en pile utilité. Donc jam dire là, donc au supposé conserver pou banane lorsque vous finissez utiliser banane parce que j'aime dire
Même genre que banane dans lui-même li gagne un paquet de bande bienfait que nous sommes énumérés là qui bon, normalement pour santé nous et bien c'est comme ça tout pour banane dans lui-même li gagne utilité li ou absolument bien chercher qu'on est et bien qui ça ou capable faire avec pour banane et ou pouvoir arriver ouais que pour banane li vraiment utile et bien pour nous-mêmes qui a vivre donc à nous et bien conserver pour bananes, à chaque fois normalement nous fin servi avec yo. Est-ce que vous te connaissez girofle bon pour d'en faire mal? Moi pour l'expliquer. Girofle c'est une épice qui a une forme un petit clou. J'en ai regardé là dans l'écran. Li sorti dans un pied bois donc qui a environ 20 mètres de hauteur. Fait li yo a une forme ovale. Donc petit pied bois ça relé giroflier. Donc qui est originé en Indonésie. Donc gardez girofle a bien parce que eh bien les petits bourgeons, j'en ai regardé là, petits bourgeons gen couleur rouge. Donc là, yo pral normalement ke petits bourgeons ça nan girofle a parce que ces petits bourgeons ça qui pral bo eh bien normalement girofle là. Donc yo pral la ke il nan girofle a avant même que petits bourgeons ça même yo ouvri. Yo pral pran yo pral mete yo nan soleil donc li pral passer de couleur rouge sa ou el gen a en couleur brun donc li riche en glucides lipides ak protéines li gen vitamine C vitamine B3 vitamine E potassium calcium magnésium sodium ak phosphore. Jodi a nou jwenn nan girofle utilize nan preske eh bien tout moun la eh bien pou tout bienfait ke li genyen et sa li reprezante pou organisme nou. Et anpil moun nan utilize li nan manje tankou nan viande, sos, bouyon ak anpil lot bagay anko. Donc anpil moun utilize li pou odeur li ak gou ke li menm normalman li genyen. Yo pa janm rive eh bien enumere eh bien ki kalite bienfait que girofle même gagne sous plan médical. Et bien jodi a nous pral énumérer ensemble quelques dans tout bienfait que girofle même li gagne. Yon nan bienfait que girofle même li gagne c'est que li aide nous avec problème digestion que nous même nous t'es capable gagner. Donc là vous consommez girofle donc ça aide à augmenter sécrétion enzyme digestif ou parce que si enzyme digestif lui-même est diminué ça veut dire si vous manquez ça les enzymes digestif donc là ça vous venez gagner ça les ventre fait mal vous venez gagner gaz et bien vous venez gagner normalement et bien toilette souvent et là dans la toilette les comme ça ou toilette mou donc ou pas fait digestion puisque girofle lui-même li gagne composant normalement qui capable augmenter enzyme digestif donc les conseiller pour même ou capable et eh bien continuer consommer girofle parce que il y a aidé avec question ventre ballonné que vous gagnez il y a aidé avec question diarrhée il y a aidé avec question à la toilette souvent que vous gagnez il y a aidé avec question digestion que normalement ou pas fait bien. Donc qui sont capable normalement prendre girofle là. Donc on capable mettre yon de l'eau bouillie à 100%. Donc après de l'eau même li fin bouillie, on capable prendre en 3 ou bien 4 clous de girofle, on mettre là-dedans pendant 10 minutes. Après ça on retire clous de girofle là et puis normalement qui sont pral faire, on capable mettre yon qui est sirop miel là-dedans. Donc ça qui arrive tout ou même au senti que au cabrel sans sirop. Donc ce cabrel là sans sirop miel là tant mieux mais si ou pas cabrel ou capable mettre eh bien normalement yon qui est sirop miel là dedans ou capable brel donc ça a vraiment aidé ou avec problème digestion normalement que ou gagne j'aime dire voilà si ou senti ou capable brel sans miel là donc ou capable brel mais si ou pas cabrel sans miel ou capable mettre sirop miel donc li pas obligé tout ces sirop miel pour mettre. Ça qui arrive tout ou pas une sirop miel donc qui sort jeune ou jeune cannelle ou mettez cannelle ou jeune citron ou mettez juste citron donc avec ça ou après normalement en solution avec question ventre fait mal avec question ventre ballonné avec question et eh bien indigestion qui au même ou gagne la caillou.
Yon nan lot bien fè ke nou e geofal menman li gen se ou wè e bien utilize li. Donk li kapab sou la ge ou avèk dan fè mal ke ou menman ou genye. Geofla li menman li a la fwa antiseptik e anti-inflamatoa. Donk sa vle di, se yon substans ki kapab tuye bakteri ak champignon ak viris. Donk pou rezon sa, e bien gen pil doktor ki normalman utilize klou de geof et bien pour propriété analgésique li ak anesthésiante donc dans tradition en pile monde utilise li comme ça yo prend un girof yo crase li en bas main yo et puis normalement ki ça vous fait yo mette exactement côté que dans les mêmes mains li a fait au mal là donc yo joine solution donc jodi a et bien gen pile dentiste normalement qui utilise le mais yo utilise avec l'autre technique donc ki ça qu'on demande nous fait yo kon mande normalement nous prenons de l'eau bouillie après ça nous mettez eh bien 5 à 6 eh bien clous de girofle là-dedans donc avec l'elle fin bouillie ou prend 5 à 6 clous de girofle ou mettez là-dedans donc laisse ça l'elle fin frette qui sont fait eh bien vous prenez de l'eau ça normalement ou souquez le dans bouche et ça capable aider avec eh bien douleur que vous avez jusqu'à ce que vous arrivez à joindre un docteur pour capable normalement prendre soin. L'autre bienfait que les gagne, les bon contre insectes. Par exemple, tant qu'aux mouches, ça arrive que vous travaillez à un côté et bien vous avez pile mouche qui a nuit ou bien la caille au côté était là. Normalement, il y a un pile mouche qui a nuit ou qui pas qui te fait rien. Mais qui sont capables de faire normalement capable utiliser clou de girofle pour que eh bien moussa soit capable eh bien évacuer yo. Donc comment faire li ou capable prendre normalement aux oranges si vous avez orange ou capable eh bien couper les oranges en 2 en 3 en 4 le ça on pourra prendre plusieurs clous de eh bien girofle ou mettre eh bien sous orange là j'en va regarder là ou mettre en pile clou de eh bien girofle sous orange là. Donc laisse ça et bien normalement et bien tout insecte tout mouche et bien il va courir loin de espace ta parce que pas capable normalement rester dans espace ta. Attendez bien, va travailler en côté normalement gain pile mouche ou capable utiliser un orange avec clou de girofle. Ou prend clou de girofle là, ou mettez le tout autour de orange là, laisse ça tout mouche normalement il va courir loin de espace côté même va travailler là. Donc c'est un bon bagage lié contre insecte. L'autre bienfait normalement que li gagne, li bon contre fatigue. Donc ça arrive ou ap travay, normalement ou fatigué en pile, donc ou capable toujours utiliser clou de girofle parce que de même li c'est un bon stimulant pour organisme, li capable renforcer et bien normalement système immunitaire ak mémoire. Donc toujours continuer normalement utiliser clou de girofle parce que ça bon normalement pour tout le monde et bien qui fatigué en pile. L'autre bienfait que girofle même li gagne donc li capable aider avec question gorge fait mal. Donc girofle capable aider ou combattre infection pulmonaire. Donc avec toute propriété nous connaît normalement que girofle même mal gagne, ça capable aider nous combattre rhume, grippe avec normalement gorge grattée. Donc li aider nous combattre infection pulmonaire parce que li c'est un antiseptique et anti et bien spasmodique. Donc nous supposons normalement et bien utiliser girofle lorsque normalement nous gagne ça relé et bien gorge fait mal. Donc qui ça n'a fait? Donc n'a mettre yon de l'eau bouillie. Donc l'elle fin bouillie. Donc n'a retirer normalement ce dife a. N'a mettre 5 à 6 clous de girofle là-dedans. Donc là ça nous capable et bien mettre un petit jus citron. Donc quitter le pendant environ 10 minutes. Donc si vous gagne miel tout, vous capable mettre un petit miel, si vous gagne cannelle ou capable mettre en cannelle. Donc le ça ou capable et bien quitter le fret ou capable brel et bien 3 fois par jour. Donc pas oublier que clou de girofle lui-même il y a la fois antiviral. Donc ça veut dire il contre
infection mais qui cause pas virus yo, li antibactérien donc li contre toute bactérie, li antifongique donc li gen capacité pour capable traiter ça les mycoses, ça veut dire infection et bien qui cause par champignon yo. Et puis li anesthésien donc li capable et bien soulager et calmer et bien douleur yo. L'autre bienfait que clou de girofle même li gagne, li capable aider et bien normalement sang coaguler bien. Donc li charge avec antioxydant. Li bon pour zo, li aide nous réduire et bien douleur et inflammation. Donc li capable aider au prévenir ça les cancers. Donc nous rendons compte que eh bien clou de girofle nous souvent utilisé et eh bien dans question faire manger donc li gagne en pile bienfait que nous même nous pas même imaginer nous seulement qu'on utilisé le pour utiliser mais nous pas jamais prendre un petit temps pour capable et eh bien normalement énumérer et eh bien tout bienfait que clou de girofle même normalement li gagne eh bien jodi a nous et eh bien quelques na tout bienfait que clou de girofle même et eh bien li gagne. Donc, on nous continue normalement consommer clou de girofle parce que li a vraiment bon pour santé, li a vraiment bon pour lorsque nous avons douleur, li a vraiment bon pour capable aider nous faire digestion bien, li a et bien normalement vraiment bon et bien pour santé nous. Donc, on nous continue et bien consommer clou de girofle. Bien clou de girofle même li aide ou nan question faire digestion bien. Deuxièmement, li bon pour moun qui a souffri avec un bien dent fait mal. Troisièmement, li bon contre insectes par exemple soit travailler en côté côté que bon c'est des insectes qui et bien normalement a empêché au travail. Donc ou capable et bien utiliser clou de girofle. Li bon et bien contre fatigue. Donc les moun nan li même li fatigué en pile, li capable utiliser clou de girofle. Li bon normalement pour moun nan ki gen gorge fait mal. Donc si ou gen gorge fait mal souvent, donc ou gen grippe ou gen gorge gratté, donc ou capable normalement utiliser clou de girofle. Donc li gen pile l'autre bienfait côté que li aider et bien sang coaguler bien, li et bien bon pour zo, donc il aide ou réduit et bien douleur et inflammation. Donc li c'est une bon prévention et bien contre cancer. L'autre bagaille li bon pour question mauvaise haleine. Donc si ou même ou gen ça les mauvaises haleines, yon bagaille qui tout à fait naturel. Donc ou capable normalement utiliser et bien clou de girofle pour capable joindre une solution avec question mauvaise haleine. Donc gen ça les et bien l'huile essentielle de girofle. Normalement, on vient avec une vidéo côté que nous pourrons montrer comment même au capable et bien préparer ça l'huile essentielle et bien de girofle là avec l'huile d'olive que nous pourrons la préparer et bien l'huile essentielle de girofle là.